Bien, bonjour à tous. Malgré des conditions météo un peu dégueulasses, je tente une sortie en direction du col du Zoard par une petite variante. 12 km 700 dénive. On verra. On verra si ça passe. Petit manque de visibilité là. On va voir si ça passe. Je suis pas un peu con des fois quand même. Un tout petit peu con, non. Vous me direz ça. J'ai des doutes. Faut que je monte là-haut. 2500 mètres, là, col perdu dans les nuages. Je sais pas trop où je vais. Je vais essayer de redescendre par là où je suis venu parce que ça craint trop. Allez, ciao. Bon, on va sur la route du retour, le chemin plutôt. Je suis arrivé au col perdu à 2500 mètres. Je viens de descendre une cinquantaine de mètres, là, je viens de dire bonjour à un skieur de randonnée. Enfin, je le trouve pas là, à l'image. Bah, lui, il va le passer. En ski, ça se fait, je pense. En raquette, il y a une grosse corniche, bien verticale, avec beaucoup de blanc partout. C'est un jour blanc. Je connais pas les environs. Donc, j'ai les raquettes, la corniche à sauter, j'y vois rien. C'est déjà pas mal, un col à 2500 mètres, 800 mètres de dénivelé. J'aurais pas fait l'Isoard, mais c'est que partie remise. Allez, on redescend. Bon, fin de la rando du jour. Elle a été malheureusement interrompue par une mauvaise visibilité. J'espère que le temps sera bien meilleur pour celle de demain. Bonjour à tous, jour 2. Après ce qu'il est tombé hier, le manteau neigeux, à mon avis, est assez instable et il y a beaucoup de vent. Donc, on va la jouer sécuritaire et prendre la route normale pour le col de l'Isoard. Thank you.
pour admirer le fameux col perdu sur lequel je me suis retrouvé pas mal perdu. Il est à la fois si proche aujourd'hui du refuge Napoléon et si loin hier. Encore une vue sur le col perdu. Je ne m'en lasse pas. Et je me dirige vers le col de l'Isoard. Le bilan, j'avais peur que ce soit une rando un peu ennuyeuse. Ça reste quand même assez sauvage. J'ai bien aimé.